Belle bonjour toute mon... Belle bonjour. Arrête, j'essaie de me concentrer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, en même temps ça va pas. Pourquoi? J'ai fait une belle coiffure et il pleut. Non mais franchement il pleut. Vous allez me dire, ben quoi, il pleut. Attendez, j'ai une belle coiffure, je me suis fait belle et j'ai envie de sortir. Mais là, si je sors, je risque de mouiller mes cheveux. Donc, tout le temps que j'ai passé pour faire cette coiffure, pour vous la filmer, pour vous la montrer, vous voulez me dire que je vais sortir en 2 secondes, ça sera fini. Je veux pas. Je veux pas. Non. Bref, tout ça pour vous dire que je viens vous montrer le tuto de cette coiffure. Donc j'ai utilisé ces bigoudis là. Je crois que ça s'appelle permiroll. Je ne suis pas sûre, mais vous avez compris de quoi je parle. C'est les bigoudis comme ça avec l'élastique. Utilisez 3 sortes de bigoudis. Ouf, pas 3 sortes, mais il y a 2 qui se ressemblent quasi. Je pense que c'est la même taille. Et j'ai utilisé un plus gros sur le devant de ma tête. Et les plus petits, j'ai utilisé sur mes longueurs moyennes. Je kiffe ma coiffure. Je kiffe ma coiffure. Contrairement à la première fois où ça n'avait pas séché, là, ça a bien séché. Et j'ai travaillé sur des vanilles. Donc, je vous laisse regarder tout ça en vidéo. Et une petite aparté pour vous parler de la crème de Etwin que j'ai testé pour cette coiffure là. Et franchement, pour l'instant, bon, pour une première utilisation, j'ai un bon avis dessus. J'arrête de parler et je vous laisse regarder la suite. Je vais vous montrer ma tête avant d'avoir la belle tête et les belles boucles que je compte vous faire. Donc regardez bien. Là, franchement, je suis dépassée par mes cheveux. Ils sont secs. Ils font rien du tout. C'est vrai que je les ai pas hydratés dans la semaine. Ou j'ai juste vaporisé un brumisateur. Chose à ne pas faire. Voyez ma tête avant. Vous verrez ma tête après. Donc là, je vais faire shampoing, masque, hydratation. Et ensuite, vous verrez la mise en place que je vais faire. À tout de suite. J'ai rincé mon masque que j'ai laissé toute la nuit. J'ai la flemme de me coiffer. Bon, je vais commencer. Je prends tous mes petits cheveux et je vais les tortiller avec du gel. Donc je vais faire des petites tortilles avec. Travailler sur une base vanillée, c'est bien parce que si vous savez mettre des bigoudis, c'est pas mal. Donc moi c'est simple, je commence par le bout de mes cheveux, je roule et au fur et à mesure, je fais sur le côté. Si vous voulez, vous pouvez bien tourner votre vanille et après c'est toujours la même chose. J'ai fini enfin de poser le bigoudi. Thank you.
Prends un petit peu d'huile. Si je sortais comme ça, c'est bon ou pas? Non. Je vais déjà défaire les vanilles. Une fois les vanilles défaites, ça donne ça. Donc là, il faut que je dédouble encore. J'ai séparé, comme je vous ai montré tout à l'heure là, à peu près deux fois chaque mèche. Devant, je n'ai pas trop séparé pour avoir une bonne définition. Et maintenant, je vais remonter le tout. Je fais un mélange gel mousse. N'hésite pas, si tu aimes mon tuto, mets un petit pouce vers le haut pour me dire que tu as apprécié, même si tu ne veux pas laisser un commentaire, ce que je peux bien comprendre. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Take it.